J'ai hâte de commencer. La parade des pirates, la parade des pirates. Oh, nos petits jouets, les pauvres oreilles. Oh, ça commence en fanfare. La parade des pirates, la parade des pirates, la parade des pirates, la parade des pirates. Nous avons des guirlandes, des ballons. Et les pirates vont chanter une nouvelle chanson qu'ils ont écrite spécialement pour cette parade. J'ai hâte de l'entendre. Mais où sont les pirates? Bonjour Scotty, où sont passés les pirates? Pirates cachés? Ils se cachent, mais ils oublient... La parade des pirates, la parade des pirates! Scotty, pourquoi est-ce que les pirates se cachent? Cachés? Cachés! Il faut que je mène l'enquête. Pourquoi les pirates se cachent-ils? Chouette, une nouvelle enquête. Réfléchissons. Cette enquête, l'affaire des pirates cachés. Hé, hey, oui, oui. Les pirates sont mes voisins à Cap Canyon. Moi, Deltoïd, suis le jouet de la situation. Je vais t'aider à les retrouver. Merci, Deltoïd. Je crois qu'on devrait commencer par parler à Scotty. Scotty? Les pirates t'ont-ils dit pourquoi ils se cachent? Silence, doucement! Scotty, est-ce que les pirates t'ont dit pourquoi ils se cachent? Silence, s'il te plaît! Attends, je sais! Si on découvre leur cachette, peut-être qu'on comprendra pourquoi ils se sont cachés. Commençons par aller explorer leur bateau. Prêt, Deltoïd? Allez, Scotty, viens avec nous. En route, à l'abordage. Larguez les amarres. Bonne chance, Wee-Wee. Instruments de musique sont vides. Ne t'inquiète pas, Scotty, on va les retrouver. Et après, la parade pourra avoir lieu. Les pirates ne sont pas là et leurs instruments non plus. Mac Marinette, capitaine. Pourquoi les pirates se cachent-ils avec leurs instruments? Et où peuvent-ils bien être? Deltoïd, vole à ton secours, petit oiseau bavard. Oh, une carte des cavernes de cristal. C'est l'endroit idéal pour se cacher. Bien joué, Zim Zim. Alors, allons-y. Four!
Scotty. Mais la prochaine fois, est-ce que tu pourrais klaxonner? Enfin, je veux dire, chanter moins fort. Halt! C'est une mission pour Deltoïde! Et voilà, un travail de héros! Oh. Boum, boum, boum! Oui, c'est ça, Scotty! C'est une baguette de tambour! Si les pirates jouent de leurs instruments, on peut peut-être les entendre! Ah, affirmatif! Tais-toi, s'il te plaît! Oui, oui. Écoutons en silence. Capitaine McMarivet. Oups. C'était bien les pirates, mais ils ne répondent pas. De qui veulent-ils se cacher? S'il te plaît, je t'en prie, cesse de piailler. Cesse de piailler. Oh, cesse de piailler. Chut. 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 Mais oui, Scotty. Est-ce que le capitaine et Mac Marinette t'ont demandé de faire silence? Oh, silence doucement. Silence doucement. Et quand se sont-ils cachés? Après t'avoir demandé le silence? Affirmatif. Scotty ne t'a pas demandé de te taire, Deltoïde. Il répétait simplement ce qu'on lui disait quand il faisait trop de bruit. Oh, silence s'il te plaît, cesse de piailler. Chute, chute, wop, wop, silence doucement. Maintenant je sais pourquoi les pirates se cachent. Mais pour résoudre cette affaire, je vais avoir besoin de calme. De calme. Trouvez capitaine, trouvez pirate. Oui, Scotty, mais je dois continuer mon enquête sans toi. Tu es d'accord? Affirmatif. Moi, Deltoïde, vais te raccompagner à Miniville. Miniville en route. Scotty et Deltoïde en route. Oui, affirmatif, mon ami. Oui, affirmatif, mon ami. Comment va-t-on retrouver les pirates? C'est très simple, en étant silencieux et en écoutant leurs chansons. Oh, les pirates! Par ici! Bonjour, capitaine. Bonjour, oui. On pensait pas que tu nous trouverais ici. Vous vous cachez de Scotty pour pouvoir répéter tranquillement votre chanson, c'est ça? On sait que c'est pas très gentil et Scotty nous manque, mais on ne pouvait pas répéter parce qu'il nous interrompait vraiment tout le temps. Maintenant, nous sommes prêts. Sauf que j'ai la voix cassée à force de chanter. Oui, moi aussi. Ça va aller. J'ai une idée qui reposera vos voix tout en permettant à Scotty de participer. Bye.
parade des pirates n'aurait pas été aussi amusante sans les pirates. Et tu les as retrouvés. Merci, Potiron. Je pensais que Scotty ne faisait que piailler, mais en fait, il essayait de m'aider à retrouver les pirates. J'ai compris qu'ils se cachaient parce qu'ils voulaient répéter leur chanson sans être dérangés par Scotty. Oh, nous, dans la piraterie. Je ne l'avais pas compris, mais Scotty essayait de nous le dire depuis le début. C'est vraiment formidable de les voir réunis et très heureux. Bien joué, mon garçon. Merci, Potiron. L'affaire des pirates cachés est résolue. Alors, nous avons trouvé tous les indices. Il n'y a plus de mystère. Affaire...